Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde intitulée « Ne me jugez pas », table ronde virtuelle sur la sécurité linguistique. Je m'appelle Jeannick Leblanc, je suis journaliste à Radio-Canada et je vais animer cette table ronde. J'ai le plaisir de l'animer parce que c'est aussi un sujet qui me touche beaucoup parce que depuis l'enfance, quand on vient du sud-est du Nouveau-Brunswick, l'insécurité linguistique, même si on n'avait pas de mots pour nommer ça à l'époque, on la vivait. Donc, cette table ronde, c'est une initiative du Conseil du Centre de la francophonie des Amériques. On le présente dans le cadre du 31e Salon du Livre de Dieppe qui se déroule cette année en mode hybride. Donc, c'est du 21 au 24 octobre. Ça se déroule en mode hybride, c'est-à-dire en personne au Centre des Arts de Dieppe au Nouveau-Brunswick et en ligne. Donc, le lien, c'est Salon du Livre Dieppe en un mot.com pour suivre les activités de ce Salon du Livre. Alors, pourquoi parler de sécurité linguistique et intituler cette discussion « Ne me jugez pas », eh bien parce que bien que nous soyons des millions à parler français dans le monde, dont 10 millions au Canada, il y a plusieurs francophones qui hésitent à s'exprimer en français par peur d'être jugés, d'autres peinent à l'apprendre ou à le maintenir, faute d'occasion de le parler. L'insécurité linguistique, c'est donc une problématique qui est bien réelle, qui fait l'objet de recherches et qui touche les francophones dans bien des sphères de la société. Et aujourd'hui, on va discuter du rapport à la langue française et des stratégies à mettre en place pour renforcer, encourager l'usage du français et encourager la sécurité linguistique, qu'on soit tous à l'aise de parler comme on parle, peu importe le milieu, avec trois invités, tous tournés vers l'avenir. Et sans plus tarder, je vais vous les présenter. On le fait en ordre alphabétique. Donc, on commence avec David Cherami, qui est poète, essayiste, traducteur franco-louisianais, né à la Nouvelle-Orléans, mais originaire de Golden Meadow. C'est un village sur le Bayou La Fourche. Et sur Twitter et sur Facebook, M. Cherami se décrit comme un bougre du Bayou. Et il est l'auteur de trois recueils de poésie, Les Amères, donc A accent grave, M-E accent grave, R-E, Julie Choufleur, L'Allée du Souvenir. Il tient la chronique en français, s'il vous plaît, dans le magazine Acadiana Profile. Il fait de la traduction, il fait de nombreuses présentations sur la Louisiane francophone, des lectures de poésie aux États-Unis, au Canada et en France. David Cherami est membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres. Il détient un doctorat en études francophones de l'Université de Louisiane à Lafayette. Ancien directeur du Conseil pour le développement du français en Louisiane, le fameux CODOFIL, il est maintenant PDG du Bayou Vermilion District, qui dirige entre autres le musée d'histoire vivante Vermilionville à Lafayette. David Cherami, bonjour, bienvenue. Bonjour. Notre deuxième invitée, Carole Frenette-Gagné, est leader multidisciplinaire de la francophonie canadienne, entrepreneur, experte conseil en pédagogie, formatrice, propriétaire et de la maison d'édition Apprentissage illimité. Elle agit souvent à titre d'experte conseil en pédagogie identitaire, en linguistique. On comprend bien pourquoi elle fait partie de cette table ronde. Elle agit auprès d'organismes, d'associations éducatives, maisons d'édition, de conseils scolaires, d'établissements d'enseignement et aussi pour le secteur privé. Carole Frenette-Gagné est aussi traductrice agréée, propriétaire d'un cabinet de traduction, mère de quatre filles engagées en francophonie, elle a aussi deux et presque trois futurs activistes, donc des petites filles. C'en est où, là? Ça y est, elle est née. Mais ça fait 6 mois, alors je remarque qu'il faut que je mette ma bio à jour. Mais elle est née.
Ah, donc, une petite de 6 mois nouvelle. Et donc, Carole Frenette-Gagné, vice-présidente du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques et vice-présidente du conseil d'administration du World Trade Center Winnipeg, qui appuie les Manitobains voulant faire des affaires dans le monde entier. Bonjour, Madame Frenette-Gagné. Bonjour, un beau bonjour de Winnipeg. Bienvenue. Gabriel Robichaud, comédien, auteur du Nouveau-Brunswick, qui se trouve à Moncton, pas très loin d'où moi je me trouve, même si on est tous virtuels, vient de Moncton, grandit à Dieppe, comédien. Il écrit donc de la poésie, du théâtre, des scénarios, des chansons. Il chante, il met en scène aussi. Depuis une quinzaine d'années, on a pu le voir un peu partout sur scène au Canada, mais aussi à l'international. Son travail a été maintes fois primé, tant sur la scène nationale qu'internationale. Trentenaire, il compte 5 publications à son actif, dont 2 pour le théâtre, Crowbar et Le Lac aux deux falaises, et 3 en poésie, Acadie Road, Les Anodins et La Promenade des Ignorés. Il participe aussi à plusieurs projets collectifs et inédits. À la télévision, il incarne Zoël Bourgeois dans la télésérie À la Val-Drague et sur les ondes de Radio-Canada, télé. Et il co-signe la création du projet docu-fictif théâtral Parler mal avec Bianca Richard. Et vous pouvez aussi écouter l'excellent balado du même titre sur la plateforme Audio, O-H-D-I-O, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme donc, de balado de Radio-Canada. Gabriel Robichaud dirige la collection théâtre des éditions Personnages. Bonjour Gabriel, bienvenue. Bonjour Jeannick, merci. Alors, petite explication sur le déroulement. Ça va durer entre 45 minutes et une demi-heure. On a plein de choses qu'on veut aborder. Pour des raisons logistiques, cette discussion a dû être pré-enregistrée. Donc, il n'y aura pas de période de questions à la fin. Mais tout au long de la discussion, même si nous, on ne pourra pas y réagir, on vous invite à commenter parce que c'est diffusé donc sur Facebook. Donc, on vous invite à réagir dans la boîte Dialogue Chat. Et on veut savoir ce que vous pensez, comment vous recevez ce qui se dit, votre expérience avec l'insécurité ou la sécurité linguistique. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de sélectionner l'option « Écrire à tous les participants » pour que tous puissent voir vos commentaires. Alors, on va discuter de 3 thèmes. D'abord, on va essayer d'établir ce que c'est la sécurité linguistique. Dans un deuxième temps, on va parler des moyens pour combattre l'insécurité linguistique. Et enfin, nous allons discuter de la diversité et la sécurité linguistique, peut-être aussi du rapprochement des francophonie. Donc, moi, je vais diriger la discussion, mais vraiment, je vous invite à réagir les uns aux propos des autres. Donc, plongeons dans la discussion si vous êtes d'accord. D'accord. Oui. Tout à fait. Parfait. Alors, qu'est-ce que la sécurité linguistique? Je pense que pour comprendre la sécurité linguistique, il faut comprendre ce qu'est l'insécurité linguistique. Donc, on le prend peut-être un peu à l'envers. Je vais vous demandez d'abord comment vous décririez, chacun à votre façon, ce qu'est l'insécurité linguistique. Je commence par qui veut y aller? Gabriel. Ah, OK. en gros, pour moi, l'insécurité linguistique, d'après ce que j'ai lu et ce que je retiens des sociolinguistes que j'ai côtoyés, c'est la peur de faire des fautes dans sa langue maternelle au moment de prendre la parole en public, qui se traduit dans un spectre assez vaste, mais qui peut aller du silence auto-infligé par une personne qui ne se sent pas la légitimité de prendre la parole en public, donc qui va préférer se taire plutôt que de parler parce qu'elle pense pas que la façon qu'elle parle sa langue maternelle est suffisante pour être pertinente, écoutée, comprise, valorisée, entendue. Peut-être d'autres manifestations de l'hypocorrection, donc d'augmenter sa façon stigmatisée de parler pour braver la peur, ou encore de l'hypercorrection, c'est-à-dire faire des fautes parce qu'on essaye de trop bien parler. Et c'est des erreurs qu'on ne ferait pas
nécessairement autrement, mais qui, dans une situation de stress, dans une situation de communication qui nous met mal à l'aise à cause de cette insécurité-là, va se manifester de cette façon-là. Fait que je dirais, là, mettons, l'insécurité, il y a l'ensemble de ce spectre-là, toutes sortes de déclinaisons de tout ça aussi, bien entendu. Mais en gros, la peur de faire des fautes qui s'articule de ces trois façons-là, je pense que ça ratisse large. Monsieur Cherami, en Louisiane, vous, comment vous décririez l'insécurité linguistique? Ben, je dirais que c'est tout à fait une situation différente, parce que d'abord, il n'y a plus de francophones de langue maternelle qui parlent français en Louisiane. On est tous des anglophones convertis, même si dans ma génération, j'ai 62 ans, je parle de le dire, et je suis de la première génération à apprendre l'anglais d'abord dans la famille. Mais mes parents parlaient français, mes grands-parents ne parlaient que le français. Enfin, vous connaissez la chanson à peu près comment c'est. Donc, c'est grâce à l'école, des séjours en France, au Canada, ailleurs, que j'ai appris à parler français. Et ça, c'est le cas avec la majorité, la vaste majorité des francophones en Louisiane maintenant. Donc, pour nous, on n'a pas vraiment, comment dirais-je, on n'est pas insécure pour parler français parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est acquis. Comme je disais, c'est quelque chose qu'on a acquis, qu'on a essayé de reconquérir en beaucoup d'égards. Mais aussi, depuis 50, 60 ans, on a appris le français grâce à l'intervention des enseignants étrangers, des Français, des Belges, des Canadiens. Donc, on était toujours, elle a entendu nos parents, les grands-parents parler. On connaît les différences de vocabulaire d'un côté de la Tchafalaya, de grande rivière qui divise le sud de la Louisiane ou l'autre. Donc, on est très habitué à savoir que, oh oui, toi tu dis ça comme ça, mais nous on dit comme ça. Ou pour, comme Barry Ancelet, qui est le professeur de français folkloriste et poète que beaucoup de gens connaissent, quand un Français dit, oh, mais ça se dit pas. Et Barry dit toujours, bah oui, ça se dit, je viens de le dire. Donc, on n'a jamais été traumatisé du fait de parler un français différent. Et ce traumatisme de parler français, ça remonte à une autre génération, une génération de mes parents qui ont été battus et déliés à l'école, tout ça. Et c'est pour ça que la langue n'a pas été transmise. Donc, pour nous, l'insécurité linguistique, ça, moi, je dirais que ça relève plutôt du fait que il nous manque des endroits, des occasions pour le pratiquer. C'est pas qu'on parle mal français, c'est qu'on n'a pas beaucoup l'occasion. Il faut qu'on cherche des occasions, il faut qu'on crée des espaces, on crée des occasions pour le faire. Donc c'est ça. Et maintenant, quand je parlais avec les ouragans qui viennent de s'abattre sur les côtes de la Louisiane, ça c'est des endroits très francophones. Et ces endroits sont partis là. Je pense notamment à l'île de Jean-Charles où il y avait beaucoup d'Indiens Houmans. Ils sont francophones à 100%, mais c'est plus habitable cette île. Et c'est beaucoup d'endroits comme ça. Donc, c'est ça, l'insécurité, c'est même. J'aimerais être assez insécure pour ça. Oh, est-ce que tu conjugues avec être ou avoir ou réfléchir? Ouais, je m'ai fait mal. Ouais, si tu me suis fait mal ou je m'ai fait mal, en Louisiane, bon, n'importe, tu fais comme tu veux. Mais en Louisiane, on a un très gros problème avec justement la pression du changement climatique et aussi les occasions pour parler français professionnellement en dehors de l'enseignement. Donc, c'est plus que de l'insécurité linguistique, c'est de la survie linguistique? C'est une question existentielle, oui, tout à fait. Oui, puis je pense que toute population qui vit en situation de minoritaire doit vivre avec le fait qu'on n'a pas un accès le même accès à la langue que quelqu'un qui vit en milieu majoritaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a des mots qui ne nous viennent pas. Alors, le vocabulaire, il est passif, il est dans la tête, on le comprend, mais qu'on, il n'y a pas accès rapidement si on ne l'utilise pas. Et puis, moi, je me souviens quand j'étais petite, mes parents avaient on est manitobain, mais on avait une terre au Québec, un chalet. Et puis, on allait voir la famille. Alors, toute ma jeunesse, j'y allais. Et je me souviens, chaque fois que j'y allais, j'étais confrontée au fait que mon français, il était un peu différent. Mais je ne l'étais pas confrontée chez moi. Alors, et il y avait... Puis, c'était pas
de mauvaise foi, mais il y avait un jugement quelconque qui se passait quand pour... Je me jugeais, je pense, parce que je n'avais pas le même accès à la langue que mes cousins là-bas, ce qui fait que je revenais encore plus enragée de ne pas avoir accès à ces... Et moi, c'est... moi, ça m'a poussée. Mais pour d'autres, ça crée un, ça les éloigne de la francophonie parce que la langue est très liée au, à la culture et puis il y a un sentiment d'appartenance qui est lié à, évidemment, la langue. Fait qu'aussitôt que tu commences à perdre, à un moment donné, tu te dis « je ne fais pas partie du groupe de ceux qui parlent bien français ». Et ça, c'est là où il y a des conséquences. Je me souviens, David, quand je suis allée en Louisiane il y a quelques années, on était dans un resto, c'était, on était tous des francophones, là, c'était tout un congrès, et il y avait une jeune serveuse. Et puis nous, on faisait exprès, on lui demandait « est-ce que tu parles français? » Puis sa réponse, c'était « non, non, un petit peu », puis elle ne voulait pas. Puis là, on lui a dit « écoute, tu vas à l'école d'immersion? » Et on a commencé à lui parler, puis elle a pu nous servir toute la soirée en français. Mm-hmm. Mais sa première réaction, c'était de dire « non », parce que là, tout à coup, elle se jugeait par rapport à nous. Hein. Ça, c'est, mm-hmm. Mais c'est humain de faire ça. On se fait ça, on a peur, ce sentiment de peur de se faire juger. Quand elle voyait qu'on ne la jugeait pas, oui, et qu'on la valorisait, tout son français est sorti et ça, c'était merveilleux à voir. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est un jugement qu'on se fait, soit qu'il est visible entre nous, qu'il est mm-hmm. tangible entre nous, ou on est très dur sur nous-mêmes puis on se juge. Mm-hmm. Et là, je crois qu'en ce cas-là, le problème, c'est que justement, ce français-là est resté dans le cadre de l'école. Oui. Et c'est la première fois qu'elle a dû l'utiliser, une des premières fois qu'elle a dû l'utiliser dans la vie professionnelle, la vie du grand. Et ça, c'est une étape, on ne se rend pas compte, mais c'est une étape essentielle et difficile à franchir. Donc, je crois que pour elle, c'était vraiment la première fois qu'elle s'est rendue compte, ah, merde, ça marche! C'est ça. Et oui, exactement. Et là, on est allé voir son gérant pour lui dire, elle sert très bien en français. Ouais. Dites à vos clients que vous avez du service en français parce qu'elle est extraordinaire. Elle est sortie de tout. Oui, puis c'est sûr que la langue sociale est toujours un enjeu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans quelle langue tu rêves, dans quelle langue tu aimes, dans quelle langue tu écris, dans quelle langue tu crées, tout ça finit par avoir un impact sur la pratique d'une langue au quotidien. Puis oui, dans une situation de minoritaire à très minoritaire, c'est un enjeu, mais même dans des situations majoritaires aussi, éventuellement, ça peut le devenir parce que c'est souvent une question aussi de hiérarchie sociale, c'est une question de classe, c'est également aussi une question d'éducation. Puis au-delà de tout ça, d'une compétence perçue, soit par la personne vis-à-vis sa propre langue ou par l'autre vis-à-vis la langue parlée, versus une compétence réelle. Il y a des gens comme cette fille qui est peut-être très capable de le faire, mais qui, en situation sociale, ne s'y prête pas, a l'impression, malgré toute l'ouverture qu'il peut y avoir, que son niveau n'est pas suffisant. Donc, tout à coup, ben, la barrière arrive. C'est sûr que lorsque ça devient une langue seconde, l'enjeu n'est pas tout à fait le même, au sens que c'est plutôt normal d'avoir une anxiété linguistique pour une langue seconde. Ceci dit, l'enjeu ne demeure pas le moins. Ça demeure le même au sens que c'est l'invisibilisation d'une langue parce qu'on ne se sent pas la légitimité de la parler dans un contexte social. Encore. Mais je pense que ce soit français langue première ou langue seconde étrangère, là, il y a un principe de base qui est le même, c'est l'affectif avant le cognitif. Mm-hmm. Ça, c'est un principe qui est très fort en éducation, surtout quand on parle d'enseignement des langues, c'est que tu dois, de l'enseignement tout court, c'est que tu dois prendre soin de l'affectif avant de commencer à apprendre. Tu dois être bien. Et puis, si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas accepté par le groupe, si tu te sens jugé, tu vas te retenir, tu vas avoir peur. Si tu crées une ambiance où il n'y a pas de jugement, l'erreur est acceptée,
là, tu vas t'ouvrir et c'est là que tu vas commencer à faire des apprentissages ou à croître ou à montrer ce que tu sais. Puis, c'est l'ambiance. Et David, c'est évidemment, c'était l'époque de vos parents, c'était ça, c'était qu'ils étaient battus, ils étaient, il fallait qu'ils se taisent. Alors, évidemment, à un moment donné, il n'y a plus une ambiance où le français est positif, où tout ça est positif, fait que tu te tais. Mm. Et ça, c'est une réaction normale, humaine. Ben, je rebondirais là-dessus parce que vous parlez d'ambiance favorable ou moins favorable. Dans vos milieux respectifs, comment on a eu des exemples de Carole avec la serveuse, là, mais disons en Louisiane, comment elle se vit cette insécurité-là? Est-ce qu'il y a des exemples comme cette serveuse qui n'osait pas? Mais quels sont d'autres exemples? Et vous pouvez donner des exemples personnels aussi de comment elle se vit. Puis si, M. Cherami, vous voulez parler des changements climatiques et des effets aussi de cette dispersion là, des communautés. Je crois que dans ce cas-là, comme je disais, de créer des endroits, il y a certainement dans les restaurants, avec les serveurs pour le tourisme, il y a la loi du marché, ça s'est fait que bon, ça... C'est pratique, mais aussi un autre endroit, une zone, si je veux dire, qui se crée de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les tables françaises chez nous. Et justement, c'est les gens qui se rencontrent une fois par semaine ou une fois par mois dans tel café ou tel restaurant à 8h du matin ou à 1h de l'après-midi, un samedi. Et on sait que les gens amènent leur français qu'ils ont, ou même presque pas. Et il n'y a pas de jugement, les gens viennent, il faut parler français, ils pratiquent, et même des gens qui arrivent avec des dictionnaires et des cahiers pour prendre des notes et tout ça. Donc c'est très encouragé. Avant, justement, c'était très mal vu de parler français en Louisiane, comme on disait, que dans les écoles, c'était interdit, même légalement interdit, selon même la constitution de l'État de la Louisiane. Et maintenant, souvent, quand je suis en train de parler en français avec des collègues et des francophones, il y a des anglophones qui viennent vers moi, qui ont des noms comme Cormier, Robichaud, Thibodeau ou autres. Ils disent en anglais, bien sûr, ils disent « Oh, j'aurais voulu que mes parents m'apprennent le français. Oh, j'aurais dû faire plus de français. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, que c'est beau que vous parlez français. Continuez, c'est encourageant. » Donc, c'est tout à fait le contraire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens. Il y a la volonté est là, mais les occasions manquaient aussi. Par l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Il y a beaucoup de Louisianais, pendant très longtemps, qui sont allés passer des étés 6 semaines pour parler français. Ils sont revenus parler couramment avec un accent de la baie, j'avoue. pas plus mal, parce que figurez-vous que l'accent de la baie Sainte-Marie, Sainte-Anne plutôt, l'Université Sainte-Anne, la baie Sainte-Marie, pardon. Je me confonds des saintes là. est très proche d'un accent de chez moi, l'accent de mes parents, par exemple. Mon père disait, quand j'ai déjà mangé, il disait « Hadi hamohé ». Comme ça, et c'est Marie, il parle comme ça aussi. « Hadi menahé » la semaine passée. J'ai déménagé la semaine dernière, comme ça. Donc, c'est très proche. Donc, il y a un nouveau renouveau et les gens ont reconnu qu'il y a quand même un régionalisme qui vaut la peine d'apprendre aussi, qui est très proche. Donc, plutôt que d'être isolé, c'est notre affirmation de notre français. Et aussi avec le chat à Moncton, aussi de mélanger les two languages ensemble comme ça, c'est tout le monde, everybody does that couramment aussi. Et même c'est une tradition chez nous de commencer une conversation en français et puis finir en français et vice versa. Donc, mélanger les deux langues, ça, c'est pas mal vu chez nous, là. Personne non plus. J'ai rajouté un mot en anglais parce que il n'y avait pas d'ordinateur avant. Donc, je vais faire arranger mon computer. Il n'y avait pas le mot ordinateur. Gabriel, comment vous diriez qu'elle se vit, cette insécurité linguistique dans votre milieu? Ben, je dirais, moi, j'ai grandi avec l'impression, en fait, pour
pour combattre l'impression commune que les gens de ma région parlaient mal. C'est-à-dire, on vient du sud-est du Nouveau-Brunswick, là où on parle chiac, et parler chiac, c'est parler mal. Ou pas assez bien, ou une espèce de forme de langue bâtardisée. Puis bon, je les ai toutes vues, là, le Moncton, la capitale de l'assimilation vers l'anglais en Acadie, etc. Bon, les commentaires venaient, c'était médiatiquement, mais c'était quelque chose aussi que mes parents défendaient, puis pour lesquels on se battait de façon constante. Et sinon, ça arrivait du point de vue inverse. C'était « Ah, tu parles bien pour un gars du Sud-Est. » Ou « Ah, tu parles bien pour un gars de... » Ah, tu viens du Sud-Est, t'as grandi à Dieppe. Ah, c'est fou quand même. T'as presque pas de faute dans ton CV. Ou... Et puis, c'est des commentaires qui sont anodins, mais tout à coup, il y avait ça. Puis tu sais, à force de se faire dire qu'on parle mal, ben, je pense qu'il y a des gens qui y croient fondamentalement. Il y a ma partenaire avec qui je travaille, de travail, amie comédienne Bianca Richard, avec qui je travaille sur ma pièce de théâtre qui s'intitule Parler mal. Mais on a pris ce titre-là, qui est un peu un titre qu'on pourrait dire choc d'une certaine façon, mais qui se veut frondeur. C'est de questionner, en fait, qu'est-ce que ça veut dire parler mal, mais qu'est-ce que ça veut dire parler bien. Puis ben, le Sud-Est, ben, c'est par rapport au reste de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, dans le Sud, on parle mal. Dans le Nord, on parle bien parce que c'est des régions majoritaires, parce que l'accent est différent, parce qu'il n'y a pas autant de syntaxe ou de mots d'emprunt à l'anglais. C'était la même chose par rapport au Québec, par rapport à la France, par rapport aux autres normes qui nous étaient présentées. Ben, on était un peu au bas de l'échelle. Donc, c'est de grandir avec cette perception-là et que la perception continue, puis d'entendre ces discours-là, puis que ça soit devenu banal ou même intégré, ça fait partie de la façon que j'ai grandi. Encore aujourd'hui, ben aussi, tu sais, quand j'entends ça, c'est bon, j'ai grandi, je suis capable de parler chiac, puis j'ai ma phrase toute faite, et je pouvais lire des affaires comme report à brim, but you get it probably book, parce que je parle about, puis je veux dire, la conversation se poursuit, puis comme ah, là je l'ai entendu, ou tu sais, une recherche de ça, parce que je viens d'une certaine région et parce que cette région là a une façon de parler aussi qui est nommée. Et le fait d'avoir un nom, c'est-à-dire le chiac, ben ça permet aussi de le définir, de le mythifier d'une certaine façon, et même d'en faire un fer de lance pour le meilleur et pour le pire, de quelque chose de plus vaste. T'sais, on associe souvent le chiac à l'acadien, ben non. Je veux dire, bon, le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est là qu'on parle chiac, mais il y a plusieurs autres variations de langue en Acadie qui sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, que ce soit l'Acadien à la Baie-Sainte-Marie dont parlait David, ou ce qu'on peut entendre en Louisiane, ou ce qu'on va entendre dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, dans la région Chaleur, dans la région du Restigouche, dans le nord-ouest, peu importe, à l'île du Prince-Édouard, même en Chéticamp puis la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, c'est pas pareil. Mais cette impression-là, je dirais, d'avoir été mis dans un carcan, et dans un carcan de cancre. Puis, très poétique. Puis souvent, en fait, même dans ce qu'on va entendre, on va suggérer que les jeunes du sud-est du Nouveau-Brunswick sont les pires dans la province, et on voit les résultats des tests du ministère, puis on se classe aussi bien, sinon mieux, que les autres régions. Donc là encore, tu sais, c'est compétences perçues versus compétences réelles. On compare même souvent la compétence néo-brunswickoise, on fait à peu près aussi bien. Il y a eu des tests qui étaient sortis quelques années passées, puis on faisait à peu près aussi bien que la France. Mais encore là, c'est jamais au même niveau, perçu comme étant au même niveau. Donc, de tout ça, naît le complexe. Est-ce qu'il y a un complexe semblable pour les franco-manitobains, Mme Prenet-Gagné? C'est en train de changer. Je pense que on l'a eu longtemps. Moi, je suis de la génération qui a eu les complexes et puis qu'on se jugeait. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de. Ils se mélangent beaucoup. Il y a moins de tabous. Il y a pas. C'est valorisé. La langue française, elle est valorisée. Puis on n'a pas de région comme on aurait en Acadie, etc. Ce qu'on parle tous à peu près.
Mais il y a aussi des générations où la langue change entre générations. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a deux, puis je pense que ça existe ailleurs aussi, c'est qu'il y a deux écoles de pensée par rapport à la sécurité, l'insécurité, sécurité linguistique. C'est qu'il y a eu une grande une démarche depuis quelques années pour parler de l'insécurité, puis ensuite parler de sécurité linguistique, qui a fait énormément de bien chez les jeunes. Mais il y a une école de pensée, auquel je n'adhère pas, mais en tout cas, une école de pensée qui veut que si on parle d'insécurité linguistique, ça veut dire qu'on ne va jamais s'améliorer, qu'on va toujours parler mal, et puis on valorise l'erreur. Et puis là, moi, je suis là pour parce que dire, je suis d'accord. Oui, t'es d'accord avec qui? Pas d'accord avec... D'accord que c'est des deux écoles de pensée. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et puis, parce que ce qui arrive, c'est que moi, je suis traductrice, je suis perfectionniste pour moi. J'ai étudié la langue. Et puis moi, dans ma famille, avec mes filles, on se corrigeait. J'avais créé cette ambiance-là où on voulait... mais ça, c'était personnel à moi et j'avais accès, mon mari est traducteur aussi, ça fait que c'était ça chez nous. Mais qu'avec les autres, c'est normal l'évolution de la langue. Et puis, mais c'est important sur le continuum de vouloir s'améliorer, mais parler de sécurité linguistique, c'est de reconnaître que l'affectif a un lien important avec la langue. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Écoute, moi, je parle mal, ou je fais des erreurs, puis je ne veux pas parler, je ne veux pas m'améliorer, je ne veux pas aller dans un autre milieu, puis d'apprendre des nouveaux mots. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parler de sécurité linguistique, ça veut tout simplement dire arrêtons de se juger entre nous. Mais dans la grande famille de la francophonie, on a tous une place, peu importe où on se situe sur le continuum de l'apprentissage et de l'appropriation de la langue et de la qualité, puis je dis ça en guillemets avec mes beaux air quotes, là, la qualité de la langue, je dis que c'est subjectif, il faut reconnaître l'aspect émotif lié à la langue. Après ça, les profs, moi je suis enseignante, je fais la formation en enseignement, je veux pas dire aux profs arrêter de leur montrer comment parler, tu sais, comment corriger leurs erreurs, c'est juste comment tu vas le faire, tu vas peut-être le faire sans reproche, avec une approche sans reproche. Ben, je veux y revenir, mais vous avez tendu une perche parce que vous avez parlé de l'affectif et du jugement. Et puis, je me demande, on se demandait, on en discutait plus tôt, à qui est responsable de ce jugement-là? Est-ce que, qui est à blâmer pour cette insécurité? Je veux le savoir, qui c'est qui a blâmé. Est-ce que c'est la façon de l'enseigner? Est-ce que c'est le jugement qu'on pense qu'on va subir? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous jugeons? Je ne sais pas si vous avez... Moi, je crois que bon, dans le milieu académique, scolaire, il y a certains niveaux, un standard, comme on dit le français standard, qu'il faut tenir là. Ouais, c'est quand on est dans un milieu académique ou présent professionnel, c'est l'avocat qui plaide devant le juge et qui commence à... Je ne vais pas trouver des exemples comme ça, mais il faut parler de tenir un certain niveau de langage. Quand je parle avec un barbecue chez moi, derrière, avec mes oncles, etc., bon, je vais parler d'une autre façon. Mais je crois que ce jugement, ça vient de penser qu'on est toujours... dans un milieu professionnel, il y a ces standards, c'est sûr que bon, peut-être on est un peu traumatisé par l'école, etc. Et quand on lit le français, je crois que ça aussi, il y a beaucoup de français, bon, par la de Winnipeg. Pour moi, Gabriel Roy, c'est un des plus grands stylistes de la langue française, partout, dans les français, il y a le même niveau que Flaubert et tant, vraiment. Mais elle est de Winnipeg. et je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler, un enregistrement d'elle quand elle parlait, mais j'imagine qu'on avait un accent certainement, mais si tu es avec ses enfants ou autres,
non, c'était autre chose. Mais à ce niveau, on va tous être des, comment dirais-je, des professeurs de français quelque part, ou pas, ou c'est une réaction contre ça. Mais je crois que c'est le jugement, oui, c'est surtout soi-même, et aussi, bon, peut-être aussi qu'on pointe le doigt à l'autre, pour justement, pour qu'on ne regarde pas ses propres fautes, hein, comme dit la Bible, c'est pourquoi tu regardes la faute de toi quand tu as un poutre dans ton œil. Et je crois que c'est ça, on regarde la fétude de paille chez les autres, plus qu'essayer de trouver, pour éviter qu'on parle de nos propres fautes ici. Gabriel? La construction de la langue française, c'est-à-dire de comment l'histoire de la langue française, comment elle s'est construite depuis le 9e siècle jusqu'à aujourd'hui, est très intéressante. Puis arrive cette espèce de schisme dans l'histoire avec la création de l'Académie française. Une fois que l'Amérique est découverte, donc déjà là aussi le français tout à coup colonial de l'autre côté de l'Atlantique, ben est pas forcément au même niveau que celui qui devient académique. Mais comment ça s'est construit d'emprunt de langue, etc. Comment ça a voulu être figé, puis comment aussi la langue française était multiple. Je veux dire, il y avait juste en France, il y a une quarantaine de dialectes régionaux jusqu'à peu près le début du 20e siècle, où il y a eu, fin 19e, début 20e, une politique d'assimilation en France pour créer un français normatif. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, au Canada français, je suis pas assez connaissant de la situation en Louisiane pour en parler, mais une élite catholique qui, autour de 1840, a fait de l'apprentissage de la langue française au Canada pour parler bien français, il fallait absolument se calquer sur le modèle français et en France, c'était le modèle parisien qui primait. Mais tout ça, c'est toutes des décisions arbitraires, des questions de pouvoir, des questions hiérarchiques qui ont imposé des normes ou une norme, en fait, qui voudrait que le meilleur français, le français le plus pur qui soit, soit le français parlé à Paris. Puis c'est quand on découvre que c'est arbitraire et que, dans le fond, pour toutes sortes de raisons de pouvoir et de contexte, ben, c'est pas le Poitevin Saint-Onget qui a primé, mais le français tel que parlé à Paris-Versailles parce que le roi était là. Ben, pour qu'est-ce qui fait que c'est vraiment mieux? Parce que c'est la langue des nobles? Pourquoi? Et tout à coup, ben, on se rend compte que ce discours-là est complètement construit, que même le discours qu'on entend au Canada, comme quoi, y compris le Québec, comme quoi la maîtrise absolue de la norme et des règles assure la pérennité d'une langue, au-delà du simple fait que, en fait, non, une langue meurt si quelqu'un arrête de la parler. C'est pas parce qu'on écrit une langue qu'une langue vit. Une langue vit parce qu'il y a des interlocuteurs qui parlent cette langue-là, qui échangent dans cette langue-là, et tout le rapport affectif dont parlait Carole tout à l'heure. Mm-hmm. Des gens qui aiment dans cette langue-là, des gens qui créent dans cette langue-là, des gens qui rient dans cette langue-là, qui dorment, qui rêvent, et qui continuent de le faire. C'est ce qui garde une langue vivante. C'est pas de faire un emprunt à une autre langue qui va éteindre une langue. C'est du moment où est-ce qu'on la parlera tout simplement plus. Et du moment où est-ce qu'on découvre ça, ben, tout à coup, ça se construit autrement et le rapport à la langue devient autre. Ça ne veut pas dire que la norme n'a pas de raison d'être. Ça ne veut pas dire que le standard ne permet pas une communicabilité et une intercommunicabilité entre les différentes francophonies. Mm-hmm. Mais c'est que souvent, le français, à mon sens, tel que je le connais, tel qu'on me le raconte, la façon qui est enseignée dans un cadre scolaire, a cette rigidité-là. On commence à se sortir, mais j'ai l'impression par des initiatives ponctuelles, trop ponctuelles, par rapport au global, partout dans les francophonies. Je pense que ça existe un peu partout aussi, même de choisir un idéal comme une langue, c'est comme ça qu'il faut parler. Puis tout ce qui arrive pas à la cheville de ça, ben c'est pas du français où on a peur. C'est sûr que on est tous quand on vit en situation minoritaire, on devient des gardiens. Il y a des gens qui deviennent des gardiens de la langue. Et puis on n'est pas tous des gardiens de la langue, mais quand même il faut qu'ils soient là, ces gardiens de la langue. Mais comprendre que je pense qu'on parle de plus en plus de registres, des situations où on parle différents registres de langue. Et ça, c'est magique. Moi, je viens d'un petit village et
quand j'étais jeune, puis je lis mes petits journaux là, de quand j'étais en cinquième année, là, et je parle, j'écrivais pas et je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui parce que ma langue a évolué, parce que j'ai étudié en traduction et tout ça. Mais quand j'étais avec ma famille, là, puis qu'on était ensemble, là, je ne parle pas comme je parle là, là. Et puis, j'aime ça parler, cet accent que j'ai avec ma famille, je l'aime, je le chéris, je ne veux pas le perdre. Et quand moi, j'enseigne, j'y fais référence. Puis, c'est important dans la formation des enseignants, c'est de valoriser ces registres de langue, mais de dire, si tu veux devenir animateur de radio en français, bien, il va falloir que tu atteignes un français standard qui est parlé à la radio et puis qui est parlé dans les médias. Si tu veux être avocat puis tu veux défendre une cause en français, bien, c'est autre chose. Mais que ta langue familière, elle est belle, elle est magique, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas perdre ces expressions-là. Et puis, mais ça, c'est récent, ce discours-là. C'est vraiment très récent chez nous. Et puis, ça fait toute la différence parce que là, le midshif, qui a un lien de très près avec la langue française, veut renaître parce que là, tout à coup, on le valorise. On valorise cette différence. Et puis, le midshif est presque mort, tu vois. Mais on retourne vers ces aspects de la langue qui ajoutent de la couleur, mais de reconnaître qu'il y a un français standard utilitaire, c'est deux différentes choses. Oui, allez-y. Non, c'est intéressant, on parle de l'équipe. Chez nous, il y a un nouveau du créole aussi, le créole louisianais. Ah, et c'est surtout des jeunes, c'est poussé par des jeunes. Et les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, il faut beaucoup, beaucoup de ça. Je trouve ça très bien parce que la vraie langue de la Louisiane, en fait, c'est le créole louisianais. C'est la langue que tout le monde, blanc, noir, entre les deux, tout le monde parlait. Et je trouve que c'est très bien parce que ça, c'est un autre niveau de langue, c'est un autre registre dans un cadre particulier. Et c'est important de garder ça. Pour parler des choses comme, au lieu de dire, faut que j'y aille, avec le subjonctif en français, on dit Mogapoukouli. Mogapoukouli. Mais pasteur, direct là, Et aussi, il y a des choses qu'on dit quand je suis avec d'autres francophones qui ont louisianais, qui ont l'accent plus cadien. Là, je change mon accent et je change mon vocabulaire. Enfin, c'est normal. C'est pas pour dire que je suis mieux qu'eux ou pas. Mais ce que je trouve très intéressant, donc, on parle de ces niveaux de français québécois, acadien, etc., etc. Et oh, ça, c'est du français, c'est pas du français. Jamais j'ai entendu ça à propos de l'anglais. OK? Jamais entendu dire qu'un Anglais ne parle pas anglais. Jamais entendu dire qu'un Canadien anglophone ne parle pas anglais parce qu'il dit des choses différentes. On a beaucoup discuté de ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de diversité dans la langue anglaise. Mais jamais on va dire, oh, tu es du sud des États-Unis, tu parles pas anglais. On sait comment parle le sudiste en anglais aux États-Unis. Donc ça, c'est leur façon de parler anglais. Mais c'est de l'anglais. Tout ça, c'est de l'anglais. Et tous les Français, c'est du français. Mais ça dépend de la région, ça dépend des époques, ça dépend des situations. Mais c'est juste dans le français que moi, j'entends ce discours. Et personne ne dit la même chose à propos de l'anglais. Ben justement, si l'insécurité linguistique semble être beaucoup plus présente dans la francophonie, en tout cas plus du côté du français que de l'anglais, on a déjà commencé, mais allons vers le deuxième thème qui est combattre l'insécurité linguistique. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu'on devrait faire dans les milieux minoritaires en particulier, mais pas seulement, parce qu'on sait que, par exemple, les Québécois sont majoritaires au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas de l'insécurité linguistique dans certains milieux ou en France ou en Belgique ou en Suisse. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les francophones cesse d'avoir peur d'être jugé sur leur manière de parler, Madame Frenette Gagné? Moi, je pense que déjà, cet engouement vers le rapprochement des francophonies, puis d'apprendre à se connaître. Moi, quand je me souviens, quand deux de mes filles, à 15 ans, quand elles avaient 15-16 ans, sont allées à Vancouver pour un échange là, de Parlement jeunesse. Et
ils ont rencontré d'autres francophones. Et là, je me sentais mal parce que comme mère, j'aurais dû m'assurer qu'ils sachent qu'il y avait des francophones à Vancouver. Et ils sont revenus comme « Maman, il y a des francophones à Vancouver qui nous ressemblent. » Et puis là, je me suis dit « Ben oui! » Et ensuite, ils ont beaucoup, mais d'ailleurs, Gabriel connaît mes filles, puis de ce rapprochement des francophones, savoir qu'on est tous dans le même bateau, on a tous un parcours différent. Quand on parle, on dévoile beaucoup de nous-mêmes, hein? Pas juste ce qu'on dit, mais la manière qu'on le dit, on entend l'accent, et on parle beaucoup de la diversité des accents aujourd'hui, mais on dévoile si on... Des fois, on entend « est-ce qu'il y a un parent québécois puis un parent... » On entend ces choses-là. Et quand on est ensemble, ben, de s'entendre, ça va normaliser la diversité des accents. Et moi, tout à coup, ensuite, mon accent, il sera un parmi d'autres, puis il ne sera pas dévalorisé, il sera valorisé parce qu'on a tous des accents. Alors, dans le rapprochement, c'est très intéressant. C'est très important, le rapprochement des francophones, et de se connaître et de s'apprécier et de parler de sécurité linguistique et de diversité des accents parce qu'on est de plus en plus diverses, même ici au Canada, chez moi, même au Manitoba, à l'époque, il y a 25 ans, bon, on était tous blancs puis on parlait tous de la même façon et c'est plus du tout ça. Mais on parle, on a des accents de partout et c'est merveilleux, ça ajoute la couleur. Puis je pense qu'en valorisant cette diversité, à un moment donné, le jugement va s'en aller. Est-ce que ça passe par la diversité des Français selon qu'ils sont, la manière qu'ils sont parlés, Gabriel, le combat de l'insécurité linguistique, entre autres? Oui, oui, certainement, entre autres. De développer ce qu'on pourrait appeler une flexibilité linguistique aussi. Puis je dirais à la fois pour quelqu'un, un locuteur, une personne qui parle la langue, mais également apprendre à tendre l'oreille aussi. On peut être rebuté ou mystifié ou se sentir incompétent ou encore avoir le réflexe humain de rejeter une façon de parler une langue qu'on ne connaît pas, d'avoir l'impression tout à coup que la langue qui est parlée n'est pas la même que la nôtre. Mais tout à coup, quand la langue devient en fait une strate de multiples de couches vivantes, mm-hmm. et que tu te rends compte que le fait que cette langue-là ait toutes ces variétés-là, c'est ce qui fait que la langue est vivante et non pas une langue morte comme le latin, et qui s'est figée dans le temps et qui a arrêté de devenir une langue sociale, mm-hmm. ben c'est là à ce que tu dis, en fait, faut préserver ça. Parce que c'est ce qui fait c'est ce bloc-là avec la multiplicité des pistes que cette langue-là va perdurer dans le temps. C'est-à-dire que partout à travers le monde, cette langue-là a des échos, a des gens qui la parlent, qui l'aiment et tout ça. Donc, ouais, de développer cette flexibilité-là. Connaître la norme aussi, bien entendu. Je veux dire, maîtriser la norme, ben, ça devient aussi une façon de ne pas se perdre dans une façon de parler qui est unique à un endroit puis qui permet aussi de créer l'échange, à la fois de pouvoir être à l'écoute et à la rencontre de l'autre, puis d'être capable de partager aussi ta diversité et d'où tu es originaire. Puis finalement, je pensais ça, oui, de développer sa capacité de tendre l'oreille. Je suis arrivé en Afrique, en Côte d'Ivoire, en 2017, puis on célébrait la venue du verbe « s'enjailler ». Ben, Jeannick, chez nous, on pourrait dire « s'enjailler ». Ah oui. Puis, tu sais, je ne vois pas le jour où on pousserait la note jusqu'au point d'essayer de faire, de s'enjoyer quelque chose, d'accepter dans la francophonie. Je pense qu'on est encore rebuté par le mot fun, même si le mot fun est devenu accepté dans le dictionnaire. On est devenu fun, cool, peu importe. Mais tu sais, cette idée-là, de créer et de renouveler la langue par ça, je pense qu'elle est intéressante. Là-bas, on le célébrait. Ici, c'était autre chose. Quand les Jeux de la francophonie canadienne avaient lieu ici, ben, le slogan, c'était « Right Fier ». Là-bas, en Côte d'Ivoire, c'était « Aquaba ».
ben, au moins dans right fier, ben, je dis au moins. Dans right fier, il y a le mot fier, qui est un mot français. Puis right fier, l'agencement des deux, ben, a quelque chose de francophone aussi dans la façon de le dire. C'est très rare qu'on va entendre to be right fier, proud of something. Ouais. Aquaba, c'était du baoulé, ça voulait dire bonne arrivée. Ben, on parlait de l'appartenance à la francophonie par l'ancrage sur le territoire. C'est des questions de perspective, c'est des questions de choix, c'est des questions de façon d'enseigner et de raconter la langue. Mais tout ça, je pense, arrive à contribuer à la sécurité linguistique. David Cherami, en Louisiane, vous avez parlé du créole. Il y a toutes sortes de façons de parler français, mais il y a aussi un problème de manque d'opportunités professionnelles. Vous avez parlé plutôt de communautés plutôt francophones qui sont dispersées par les changements climatiques. Comment on peut combattre ça? Ben justement, en multipliant les occasions de parler français, on a de plus en plus d'écoles d'immersion qui s'ouvrent, comme je dis, grâce aux médias sociaux et tout ça. Il y a un tas de nouveaux créateurs qui créent des programmes, des podcasts, des blogs, des vlogs, tout en français. Et c'est pas ça. Maintenant, je crois que ça, c'est on parle de nouvelles normes. Ça, je crois, même si la COVID disparaît demain, ce qui ne va pas être le cas, ça va être la norme de se parler comme ça. Et je trouve que ce n'est pas plus mal. Bon, c'est sûr que le contact physique, être en contact avec les personnes, c'est très important. Mais je trouve que c'est justement qu'on puisse se réunir à travers les grandes distances comme ça et échanger comme ça, ça, c'est essentiel. Et ça aussi va nous permettre aussi de parler non seulement entre nous-mêmes en Louisiane, mais avec d'autres gens de la francophonie. Et comme cette question d'accent, de vocabulaire, ben comme je dis, si j'ose dire, on a déjà été vaccinés en Louisiane pour ça, que dès le début, quand on a eu des professeurs français, québécois, acadiens, des gens de partout, là, on se rend compte de la diversité de la langue française et on les célèbre en Louisiane. On est très content de parler notre français, on est très content de parler la langue standard aussi, parce qu'on sait qu'il y a une très grande tradition au 19e siècle, on est des très grands écrivains qui écrivaient dans un français normatif, parce que c'est à Paris que ça se passait, donc il fallait qu'on écrive comme Victor Hugo, etc. Il y a Victor Séjour, qui était un très bon ami de Dumas, je pense, aussi, qui est un créole de couleur, comme on disait à l'époque. Il y a eu ses pièces produites sur la scène à Paris. Et donc, il y a une très grande tradition aussi, c'est pas juste des paysans qui parlaient sur les bateaux dans les champs. Il y a des intellectuels, des très grands penseurs qui écrivaient en français. Donc, c'est pas juste une langue du peuple, c'est une langue du peuple, je dirais. Mais aussi, c'est une langue qui a une très longue histoire académique. Et les gens se rendent compte de ça, ils sont fiers de ça. Et ça les pousse justement à créer ces nouveaux espaces pour parler français, là où on peut, quand on peut. Carole Frenette-Gagné, je voudrais profiter de vos qualités de pédagogue, experte conseil, parce qu'on parle de diversité de parler, mais en même temps, il y a le français standard ou normatif. Et quelle est l'attitude? Vous avez parlé de l'approche sans reproche plutôt. Oui. J'aimerais que vous nous parliez de ça, parce que je pense que pour ne pas rebuter les jeunes, il faut avoir une approche accueillante et sans reproche qui peut les encourager à améliorer leur français, mais pas juger leur français. Comment on s'y prend? Justement, c'est créer cette résilience où la personne va s'autocorriger puis va jamais accepter de se faire juger ou arrêtera de se juger. Ça fait partie du rôle de l'enseignant en salle de classe. C'est de multiplier les occasions où les jeunes créent en français. Parce que quand tu crées en français, tu mets ton empreinte sur la francophonie qui fait que à un moment donné, tu t'engages. Puis tu fais un engagement certain qu'à un moment donné, tu vas faire un engagement aussi envers le continuum, là où tu places le continuum où tu veux avancer dans la langue. Je pense que tout l'aspect résister à la tentation de corriger tout le temps. Corriger, écoute, je suis prof de français.
tu te dis, ben, comment tu vas m'enlever mes mains, mes bras, si je ne peux pas corriger? Ben, il y a des façons de corriger. Ben, en fait, même pas corriger, c'est de bâtir. Au lieu de débâtir, de démonter, bâtir, montre-moi comment parler, montre-moi comment faire ces phrases correctes et je le ferai. Il n'y a personne qui dit, je ne veux pas parler correctement. Il n'y a personne qui rentre que cette perspective-là. Mais si, par exemple, dans la classe de français, tout ce que j'ai, c'est de la correction, ce n'est pas tellement inspirant. Mais tu peux bâtir de façon très créative. Puis c'est là où il y a toutes sortes de nouvelles techniques, toutes sortes d'activités, d'approches qui rend la classe de français la classe la plus dynamique, la classe là où on apprend, puis c'est le fun d'apprendre. Je veux dire, ça semble cliché, là, mais on a tous vécu, on a tous été dans une situation où on faisait une erreur, puis quelqu'un nous corrigeait, puis on sait comment on se sent quand ça nous arrive, et ça nous coupe, comme ma mère elle disait, ça coupe le sifflet, parce que tu ne veux plus parler. Ça fait que c'est ça, là, corriger pendant que la personne parle, ben, ça, c'est à proscrire, mais c'est de retenir à le prof, c'est ça qu'il faut, c'est là où qu'il faut que j'intervienne, puis je vais le faire d'une autre façon. Mais c'est de créer cette résilience. Puis la résilience, il faut, pour avoir cette résilience comme personne, comme parlant français, c'est qu'il faut que j'accepte la partie. Encore là, je reviens sur l'affectif et d'en parler en salle de classe. Parlons-en. Comment est-ce que moi, je me sens quand je me fais corriger? Et puis, quelle mauvaise expérience est-ce que j'ai eue? Puis, comment je me suis sentie? Puis là, bien, de réaliser, bien, c'est peut-être... Peut-être que je ne devrais pas me sentir comme ça. Puis, je vais peut-être... Ensemble, on va créer cette résilience. Puis, à un moment donné, quand quelqu'un va nous corriger, ça va être ça que je vais faire ça. À cette personne-là, puis dire, mais moi, je parle comme ça. Puis, oh, parce qu'on le sait, ça, il y a des gens qui veulent se faire corriger, puis qui demandent la correction. Tu sais, moi, je fais de la formation, puis il y en a qui disent, corrige-moi quand je fais une erreur, je veux le savoir tout de suite. OK, on a créé ce lien entre nous qui fait que je peux le faire. Mais en général, c'est pas comme ça. L'humain n'aime pas ça se faire corriger pendant qu'il parle. Alors, on crée des situations où il y a des interactions, on pratique. La classe, c'est un laboratoire. Un laboratoire, comme la science a ses laboratoires où ils essayent puis font des erreurs, la classe, ça devrait être ça. Gabrielle, Carole a parlé de création. Donc, ça, c'est un moyen que vous utilisez pour combattre l'insécurité linguistique? Oui, c'est certain. Puis, c'est aussi un des outils qui est recommandé par les sociolinguistes avec qui j'ai discuté. Ben justement, je me suis toujours réclamé ou je me suis toujours donné le droit de... En fait, je pense que c'était intéressant aussi de connaître la norme d'un point de vue créatif pour être capable de la déjouer. Parce que du moment où est-ce que tu connais les règles, ben, ça te permet de les empiéter. Une des phrases les plus importantes qui m'a été dite quand je suis rentré dans le milieu professionnel en 2011, donc il y a de ça 10 ans, je finissais mon bac, je me suis rendu à Montréal, puis il y avait un forum de traduction dramaturgique pour le Centre des auteurs dramatiques à dramaturgie en dialogue, qui faisait dialoguer les pièces québécoises avec des pièces un peu partout dans le monde. Le colloque de traduction qui avait lieu avait une sortie, puis la personne qui était en chef avait fait une citation dont j'oublie toujours l'origine, mais qui disait « Un auteur n'écrit pas dans une langue, un auteur fait quelque chose à une langue. » Et c'est du moment où un auteur fait quelque chose à une langue qu'il devient un auteur. Et tout à coup, cette idée-là de faire quelque chose à une langue, ben, ça change toute la perspective. Parce que oui, OK, maîtriser la norme, mais maîtriser la norme pour être capable de jouer avec. Gérald Leblanc, qui est un auteur majeur en Acadie ou du Nouveau-Brunswick, disait dans son poème Éloge du Chiac, qui n'est pas écrit en Chiac ou si peu, de jouer dans la langue et d'en rire. D'arriver à cette capacité-là de le faire et de déjouer la langue, ben, je pense que c'est ce qui est intéressant. À bien des égards,
on ne parle pas, on n'écrit pas la langue de Molière. On ne serait probablement pas capable de lire la langue de Molière telle qu'elle a été écrite. La langue de Molière qui nous est présentée aujourd'hui a été traduite à travers les multiples changements qui ont façonné la langue française depuis le 17e siècle. On ne parle pas la langue de Molière. Et pourtant, on nous le dit, on nous l'enseigne, on nous le fait croire. La langue de Molière est autre que celle qu'on parle aujourd'hui parce que le français a évolué dans le temps. Mais le français doit continuer d'évoluer avec son temps. Et c'est du moment où est-ce qu'on le brime. Transpose ça dans un lieu de création, ben à un moment donné, ça te donne un terreau beaucoup plus fertile. Et d'explorer ces différentes multiplicités-là, ben c'est génial. Puis ben, un des avantages que j'ai eu avec la création, ben c'est d'être capable de voyager aussi à travers les francophonies. Carole évoquait que je connaissais bien ses filles. Je veux dire, je suis allé jouer au Théâtre du Cercle Molière à Winnipeg. J'ai habité Saint-Boniface pendant quelques mois. Je suis allé à quelques reprises. J'y retourne bientôt. Je suis allé à Lafayette, en Louisiane, pour un documentaire en 2014. Je me suis promené un peu partout au pays en français, mais j'ai découvert essentiellement qu'il y avait une vie, une création francophone à l'ouest de Montréal en 2011. J'avais un diplôme du secondaire et j'avais un diplôme universitaire. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas c'était quoi, c'était pas concret, ça m'était pas enseigné. Une des problématiques au Canada, c'est la provincialisation des ministères de l'éducation qui crée quelque chose de perméable à une province et qui est truffé de lacunes pour arriver à une communication avec les autres réalités, qui sont pas les mêmes, mais qui existent et qui sont des locuteurs potentiels ou des gens avec qui on peut échanger. La création m'a permis d'aller chercher ça. Puis ensuite de ça aussi, ben, de faire des choix entre la règle et la règle à déjouer. Ben, ça permet aussi ensuite de ça d'amener la conversation à d'autres niveaux. Lorsque vient le temps de partager sa création, que ce soit sur la scène régionale locale ou à l'extérieur de celle-là. Quand les échanges se multiplient, ça devient intéressant, mais ça peut aussi devenir très pervers. L'exotisation et la folklorisation du chiac au Canada a beaucoup passé par l'attention médiatique que des gens qui chantaient dans cette variante du français-là a eu pendant 10-15 ans ou depuis 10-15 ans. Ça avait déjà été autre chose auparavant, mais tu sais, tout à coup, il y a des gens qui se sont sentis prisonniers de ça, en fait, parce qu'ils sentaient qu'à un moment donné, on n'écoutait plus ce qu'ils avaient à dire, mais qu'on s'intéressait seulement à comment ils disaient. Et là, le dialogue est rompu. Donc, ça meurt. Donc, c'est d'essayer de construire tout ça pour aller au-delà. Puis la création, oui, je pense que c'est une façon d'amener cette pérennité-là aussi. Parce que tout à coup, on se donne des permissions. Puis si une langue est un outil de permission et non d'interdit, ben c'est beaucoup plus intéressant de continuer de chercher à l'explorer, en fait. Et c'est l'impression souvent. Puis je dis ça de permission et d'interdit. Encore là, c'est drôle. Parce qu'à l'adolescence, l'interdit peut devenir intéressant au niveau de la rébellion. Il y a quelque chose de très, très intéressant. Le système scolaire, en adoptant une approche corrective, va rendre la langue de l'interdit séduisante, la langue de la majorité en général, soit ici l'anglais. Alors que, au contraire, la langue de la rébellion, c'est beaucoup plus la langue de la minorité qui est beaucoup plus, beaucoup moins affichée, beaucoup moins présente et qui devient en fait la langue de la résistance et de la résilience, la langue véritable. C'est beaucoup plus cool du point de vue de l'underground et de la rébellion de parler une langue qui n'a pas sa place d'égal à égal dans un point de vue social que la langue de la majorité. Je veux dire, c'est la langue du consensus. Mais comme on est dans une approche corrective, souvent, on perd ça. La création aussi peut amener à déjouer ça puis de créer dans une forme stigmatisée de la langue pour la faire apparaître dans une chanson, dans un livre, dans un film. Ben, tout à coup aussi, quand moi j'ai lu Guy Arsenault puis Akadira, qui est écrit en chiac, puis ta maison c'est ton chez vous, puis que c'est écrit C-E accent aigu, puis chez vous, je sais même pas si c'est pas C-H-E espace V-O-U-S. Mais quand je ta maison c'est ton chez vous, c'est pas la même chose que ta maison c'est ton chez vous ou C apostrophe E-S-T. Tout à coup, la langue devient autre chose. Et ça aussi, en tout cas, ça a sa place. Ben, croiriez-vous que ça fait plus qu'une heure qu'on parle? Non! Ça a passé comme ça, mais je voudrais quand même vous donner juste un petit peu de temps chacun, juste pour
que vous nous disiez quel message vous souhaitez qu'il ressorte de cette discussion-là par rapport à la sécurité ou l'insécurité linguistique. Rapidement, qui se lance? Il faut arrêter de se juger. Il y a tellement d'autres affaires à juger dans le monde qu'on peut-tu juste s'aimer, puis aimer, puis apprécier la diversité, puis pas juste la diversité des accents, mais la diversité des registres, et aussi accueillir tout le monde qui veut faire partie, puis qui veut avancer avec nous, puis dans une approche sans reproche. Je suis d'accord avec Carole. Il faut arrêter ces chicanes, ça mène à rien. Ouais, tendre l'oreille. Il y a la sociolinguiste Annette Boudreau qui disait ça ne veut pas dire parler n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle situation aussi. Faut pas s'en cacher. Puis peut-être une piste d'ouverture, mais il y a un nouveau terme qui s'appelle la glottophobie qui fait son chemin dans les milieux universitaires depuis quelques années. Glotto pour langue et phobie pour parler, donc la peur de la langue. La discrimination linguistique à cause de la façon que l'individu parle. C'est probablement une des dernières formes de discrimination qui est acceptée. Scientifiquement, ce terme-là est placé dans les effets négatifs chez les gens, au même niveau que la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, etc. Socialement, ce serait intéressant que ça arrive. Ben, merci infiniment à tous les trois. David, cher ami, Carole Frenette-Gagné, je veux dire, Madame Frenette-Gagné, vous êtes au Salon du Livre, au Centre des Arts à Dieppe, avec votre maison d'édition Apprentissage illimité, donc ce salon qui se déroule jusqu'au 24 octobre. Venez voir, on va continuer la discussion. Absolument, et puis vraiment, Gabrielle Robichaud, merci beaucoup à tous les trois. La table ronde s'intitulait « Ne me jugez pas », mais je la terminerai en disant arrêtons de juger. Aimons notre français et sa diversité. Je vous remercie infiniment tous les trois. Avec plaisir.